transfert terminé. Très bien, monsieur. Ok, je me dépêche. Ouais, je vais pas courir. Attention. Go. Vas-y, tiens, je tape la pelle. Oh. Putain. Une femme qui m'identifie. Alors, vous êtes deux fois plus en danger. Oh putain, je traversais comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un exemple de la technologie, un endroit tout à fait ordinaire pour mon peuple. What? À quoi ça sert? Le moyen nécessaire au voyage rapide. Elle a pas l'air de fonctionner. Tant que je n'ai pas de vaisseau, ce site n'est pas d'une grande utilité. Ah. Est-ce qu'il va pas se construire genre un vaisseau ou un truc comme ça à la fin? Ouais, il me pose exactement la même question. Je sens de nombreuses... La mort entre eux. Commence. Oh putain. Oh bord... Oh putain. Oh merde. Récupérer scanner. Récupérer collier. Comment ça? Comment ça, elle ne l'enlevait jamais? Je savais même pas qu'il y avait un truc comme ça. Il y a un aspirateur. Je prends pour Luigi Mansion. Ok. Bon, c'est d'une manière bien, bien violente, mais c'est une manière. Entre en maîtrise. Je sais pas si ça marche. Ah, ok. Plante ornementale ancienne. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, putain? Eh, je veux scanner ça. Je veux pas, je peux pas. Oh! Composant d'architecte. Mais c'est un cadavre en fait. C'est une carcasse. Vas-y, c'est pas grave. Structure de squelette d'un architecte. Présente une nécessité importante. Peut supporter des forces impressionnantes. Salut à toutes et à tous, ici Paprika du 67. Aujourd'hui, on se retrouve non pas dans, dans notre base en fait. On se retrouve dans le C-Truck. Et oui, j'ai fait du hors caméra. Vous pourrez m'engueuler en commentaire si vous le souhaitez. Hein, voilà. Mais j'ai créé du coup des modules. Des modules, donc le module de stockage et le module de fabrication. Je me suis dit que ça serait chiant de chercher tout ça et tout. Hey, saloperie, va. Et je me suis rappelé un truc. Déjà de une... Bon, on va bouger ce truc. Je me suis rappelé un truc, c'est que... en fait, à un moment donné, Alan... Le petit Alan... Il est où? Ouais, il dit que... Voilà, l'image est floue mais correcte, c'est certain. Un paysage désolé, d'un froid redoutable, des flèches incurvées s'étirant vers le ciel. Donc, c'est un autre biome. Deuxième point, il avait dit comme quoi... attends, il faut que je redescende plus bas, je pense. C'est là que Sam travaillait, ok. Il y a quelque chose de l'autre côté de ce pont, voilà. Je le pense, oui. Ok. Donc j'imagine que c'était de l'autre côté du pont. Du coup, j'y suis retourné pour voir si j'avais pas loupé quelque chose. Et j'avais effectivement loupé quelque chose. Il y avait un truc endommagé que je pouvais scanner tout bonnement. Et que j'ai recréé en hors caméra aussi. Que j'ai pas là. Oh putain. Ah non, déconne pas. Ah, il est là. Voilà, le fluide hydraulique. On va juste se faire un peu à bouffer parce que sinon... On va mourir. Voilà, c'est radical. Hein. Si ça se trouve, il n'y a que dalle. Il y a des chances. Hein.
bon. Sortie. Yes. Go. Oh, je suis en train de mourir. Go. Vite, vite, vite. Des séquences au nord-est. Oh non. Non. Non, non, non. Of what? J'ai besoin de créatures voraces perçant des tunnels sous la glace. Sous la glace? Bon, réchauffe-toi ici. Je t'arrête pas. J'ai l'impression que je me fais chasser un peu là. Oh putain de merde! Ouais, toi t'as pas intérêt à m'attaquer. Wow. Cache-toi. Cache-toi. Oh mais non, lâche-moi. Mais saloperie. Saloperie de sale chasseur de mes deux couilles. Vite, passe par là. Moyen de... Oh bordel, je sens que je vais mourir. Oh là, j'ai failli tomber dans le trou. Oh, une grotte. Oh yes. Oh. Putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Ces données vont nous aider dans notre quête. Ok. Une serre. Très bien. Crever comme ça. 25. Oh non, j'entends les battements de cœur. Oh non, mec, c'est bâtard de faire ça. Hypothermie imminente. C'est vraiment en train de baisser là. Oh, vite, une grotte. Là, il y a un trou. Il y a un trou. Il y a un trou. Il y a un. Mais cours. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Dans le trou. Dans le trou. Dans le trou, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Mais t'étais dans le trou. Non. Mais putain, j'étais dans le... Oh, ça me casse les couilles. Putain. Mais c'est pas possible, quoi. Merde. Oh, mais je vais me vivre des trucs, hein, sans déconner. Hein. One eternity later. Il y avait un trou quelque part. Il ne reste plus qu'à la retrouver. Là, il y a un truc. On va dedans. On s'en fout. On voit un trou. Faut qu'on s'y engouffre. On n'a pas le choix. Là encore, on n'a pas vraiment le temps. Go, on va par là. J'ai l'impression que c'est par là. Et c'est très dangereux. Apparemment. Putain. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ok. C'est ça. Putain, on l'a trouvé. Yes. Je sais pas ce que c'est que ça. C'est vraiment spécial. Composant d'archi... Attendez, là. Donc là, il y a eu un éboulement. Attendez, est-ce que ce serait pas vraiment un cadavre d'architecte, là? Non, mais vraiment. Genre une pince d'architecte. Tissu d'architecte. Ah. Je n'aurais pas aimé finir comme ça. Vous, tu m'étonnes. J'ai l'impression qu'elle va pas me faire broyer alors que j'extrais des composants des cubes ioniques. Ok, le froid a permis une bonne conservation, mais l'échantillon n'est pas très grand. Est-ce que ça suffira? Sont pluripotents. Non, ils trouvent leur source dans l'ADN de multiples espèces et peuvent prendre différentes formes au besoin. Ok. Like stem cells. So, what prevents you from, I don't know, ending up with hooves where your eyelashes should go? Ce genre de choses n'arrive pas. En tout cas, plus depuis la quatrième itération. Attendez, ça veut dire que c'était déjà arrivé. Attendez, du coup maintenant, on a un nouveau composant qu'on peut... Voilà. Mais il bouffe énormément d'énergie en fait. C'est pour ça qu'on va éviter de l'utiliser. Je pense qu'elle est en dessous de moi, donc ça va encore.
pas pourquoi, mais le fait de dire qu'elle est en dessous de moi et qu'ensuite. Voilà. Waouh. Salut. Au revoir. Bye bye. Ciao. Est-ce qu'il y a une créature ici? Je vais descendre. Je vais descendre du truc, mais je vais mettre le. Je vais le mettre à l'abri. Je vais le mettre à l'abri comme ça. Voilà. J'ai pas d'objet de valeur. On va se créer un petit repas d'abord, digne de ce nom. Pour éviter de mourir au moins. Voilà. On fout ça dans le stockage. Et on y va. Go. Alors attends, on va sortir par l'avant. Warning, passing 100 meters. Go. Oxygen efficiency decreased. C'est pas grave, j'y vais, YOLO. Aucune peur. Faut que je trouve. C'est quoi ça? Non, c'est pas en pétant ça qu'on trouve du distène. Je sais pas, il y a des cristaux partout, donc bon, je me dis, tiens, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais mourir comme une merde, mais à plusieurs reprises. Oh, ça craint. Ça craint. Je suis à 600 mètres de profondeur, vous vous rendez compte? En fait, il faut que je vois s'il y a vraiment du distène là ou si je perds vraiment mon temps, quoi. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Non, je perds pas mon temps. C'est à partir de 600 mètres. Ok. Oxygen. Je m'en fous, c'est pas grave. Il y a vraiment du distène dans la grotte. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de Léviathan, alors on va y aller avec le petit Citruc. Ouais, je suis mort comme une merde, mais je m'en fous. Je suis téléporté dans le Citruc. Normalement. Par contre, si t'as le Léviathan qui vient, je suis vraiment dans la merde. Et on fait vraiment beaucoup de choses dans cette vidéo. Cette vidéo va sûrement durer 45 minutes, ça c'est clair et net, je vous le dis. Ou alors elle sera en deux parties, mais voilà. Bon. Je déconnecte les modules, je reviens après, go. Allez, vas-y. C'est le moment. Est-ce qu'on peut s'introduire dans la faille? Apparemment, oui. C'est bon. Trouver le lieu où il peut y avoir du distène. C'est dans cette faille. J'espère juste qu'il n'y a pas un Léviathan, parce que normalement, les Léviathans n'ont pas le droit de se TP ici. On pourra peut-être pas aller plus loin. Je pense que c'est déjà suffisant. Là, distène. On va en prendre. On va prendre des échantillons. Go, 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 go. Ok, là, en fait, on peut pas descendre plus bas avec le Citruc, parce que sinon, il va faire boum. Et ce serait regrettable, effectivement. Il nous faut plusieurs distènes pour pouvoir réussir notre mission. Je ne peux pas aller plus profondément. Ok, j'ai trois distènes. Trois distènes. On retourne au navire. Si je vois un truc bleu, j'en vois pas. Il est où mon... Oh. Oh oh. Eh oh. Oh merde. Ah non mais il est là. Je suis con. Putain. J'ai failli me noyer tout seul. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. On va essayer d'avancer, mais assez haut quand même. Je pense que dans cette grotte, il y en a. Ouais, là, il y en a. On prend un maximum de distance possible. Ensuite, on revient. Go. C'est notre mission aujourd'hui. Récupérer un maximum de distène. C'est-à-dire un élément très très rare. Je crois que j'en ai vu un autre. Non? Non, ok. Tant qu'à faire du lithium, c'est pas si mal. Là, il y a encore un truc. Hop.
Voilà, maintenant on se casse, on retourne au truc et on remonte. On remonte et on fait nos trucs. Voilà. Eh. Si ça c'est pas les cheats, bah je vous emmerde. Cordialement. Bon, maintenant on se casse. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ouais. Moins de 30 secondes même. Nous, on se casse. C'est par là. On remonte progressivement, je répète, on remonte progressivement. La mission se déroule à merveille. Aucune... Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Il est au-dessus. On va pas passer par là. On va clairement pas passer par là. On a tout de suite vu qu'il avait une ouverture. Qu'il pouvait passer. Donc on va se tirer de là tout de suite. Voilà. Bon, alors du coup. Parce que maintenant, ça va chier. Apparemment non. Il faut du lingot de plastacier. Est-ce que j'ai du lithium ? Fort heureusement, j'en ai ramassé avant. Ah, attends, j'ai vu du titane. Je pense qu'on arrive de peu à peu à la fin du jeu et ça m'enjaille un peu, j'avoue. Et il risque d'y avoir énormément de vidéos Subnautica Below Zero en ce moment, je veux dire, jusqu'à la fin. Et attends, et pour lui? Ok, donc lui, MK13, ok. Waouh, ça en fait. Et elle est où la mise à jour? Ah, elle est là. Voilà. Donc théoriquement, on a réussi à faire nos améliorations. On verra bien, hein, mais typiquement. Est-ce que tu peux les équiper? Non, tu peux pas. Et de 1000 mètres! Ah ouais, mais du coup en fait le C-Truck, enfin le lui là. Il va être à combien? 1100 mètres? Ah ouais, ça déconne que dalle. Écoutez, j'ai une idée. Je vais pas y aller. Non, attendez. Il y a le truc de stockage derrière. Non, c'est quoi, on va y aller avec l'aquatracteur. Je pense que ce sera mieux.